Bonjour à tous, c'est Louis des Pêcheurs 31410. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto pour la fabrication d'un streamer. Donc avant de commencer, je vais vous présenter mon matériel. Donc un coup de coque, de la peau de mouton, un carré de poil de chevreuil, une plume d'autruche colorée, une plume d'oiseau colorée orange, une plume de faisan, une imitation queue de souris, de la peau de lapin attrapée par mon chat, des plumes de perdreau, des plumes de pentade, de la peau de taupe, de la plume de tourterelle, une huppe de faisan doré. J'ai payé ça 15 € à Mouche de Charrette. Du vernis pour la finition, du vernis transparent de chez Mouche de Charrette, du poil de lama, différents fils de montage de chez JMC, donc un beige, un rouge et j'ai d'autres couleurs, du fil plastique pour streamer violet avec des paillettes, des flottes parachutes de chez Mouche de Charrette pour réaliser les yeux de streamer, des billes pour faire les nymphes, ceci sont des plumes de Jungle Cock, donc c'est hyper cher hein. Vous pouvez voir, j'ai payé ces 18 plumes à 10 € alors qu'elles mesurent maximum 7 cm. Voilà. Ensuite, des ciment tube body pour réaliser les nymphes. Voilà, les nymphes et les éphémères. Des yeux de streamer, dont on va utiliser aujourd'hui. D'autres yeux de streamer, des yeux mobiles. Voilà, après pour ce qui est des outils. Un outil spécial pour faire les nœuds. Mais aujourd'hui, je vais utiliser mes doigts pour faire les nœuds. Un ciseau, une aiguille, au cas où qu'il y ait du vernis qui rentre dans l'œillet de la maçon, une pince à épiler, au cas où qu'il y ait un fil à tirer, et un accroche-fil. Moi, je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui non plus. Donc, on appuie. On met le fil, on reprend, on resserre et après on peut tourner, c'est plus facile, mais je n'ai pas utilisé ça aujourd'hui. Donc, pour le positionnement de l'hameçon, donc j'ai des hameçons spécial streamer, que je vais ouvrir la pochette. Donc, pour positionner l'hameçon, on doit positionner l'hameçon de sorte à ce que la pointe ne dépasse pas le bout de l'étau et que la tige forgée soit parfaitement parallèle à l'étau. Donc avant de commencer, on doit recouvrir la tige forgée avec du vernis. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre du fil beige. Donc je coupe environ 2 mètres. Bon, là j'ai pris que 50 cm. Donc pour commencer à mettre le fil, il faut mettre le bout de fil sur la tête de l'étau, mettre le doigt, bien tendre et commencer à tourner. Il faut laisser 3 mm jusqu'à l'œillet. Donc je fais demi-tour, tout en tenant le fil. Donc quand on va repasser sur le fil, ça va le bloquer et je vais pouvoir lâcher. Et je continue à tourner jusqu'au début de l'arrondi de la tige forgée. Voilà. Le nœud. Donc on prend le doigt, on fait un tour. Hop là. Donc après on passe la boucle dans l'œillet et après on fait glisser là où on a le fil, on met le doigt pour bloquer et on tire. Donc ce geste est à réaliser 2 fois pour plus de sécurité, et je tire. Une fois ce geste réalisé plusieurs fois, je peux couper l'excédent de fil avec un ciseau à ongles. Voilà. Et moi, à chaque fois que je réalise un nœud, je passe une couche de vernis pour la sécurité. Voilà. Donc je vais refaire un autre tour pour donner de la structure. Donc après, une fois qu'on a pris le coup, c'est génial. Faire un troisième. Deux allers-retours. Et ensuite, on refait pareil le nœud, donc une boucle, je passe la boucle dans l'œillet, je mets mon doigt, je tire. Je le réalise 2 fois. Une boucle, passe dans l'œillet, je bloque, je tire. Je coupe l'excédent de fil et je repasse une couche de vernis. Donc moi j'ai pris du vernis Mouche de Charrette, mais bon, si vous voulez faire des économies, prenez le vernis de votre mère, en cachette. Voilà. Donc... vous savez qu'un streamer, c'est un corps plutôt épais. Donc pour réaliser cette épaisseur, normalement il faut de la laine spray, mais moi j'en ai pas. Donc je vais utiliser des hackles. Donc les hackles, c'est des plumes de cou de coq. Donc on va le choisir. Donc voilà le cou de coq. Donc je vais choisir un hackle plutôt long. Donc c'est pour épaissir le corps. On prend celui-ci et je tire dans la longueur du poil. Ah, cassé. Donc j'en prends une autre, c'est pas un souci. Je prends bien à la base et je tire. Hop là, voilà. Donc après, on se retrouve avec ce que l'on appelle un hackle. Voilà. Donc pour la fixation de cette plume, je dois enlever les petites plumes de la fin. Donc pour ceci, je prends la plume et je prends mon doigt et je fais vers le bas, ça les dresse comme ceci. Et une fois qu'elles sont dressées, je peux les prendre et les tirer comme ceci, et elles s'enlèvent. Comme ça, nous avons le corps de la plume, ce qui est favorable à la fixation. Donc vous voyez, on a bien le corps. et on va fixer ce corps sur la tige forgée. Donc on va mettre le corps parallèle à la tige forgée, comme ceci. Et ensuite on va reprendre du fil. Donc là par contre on va en prendre assez. Je vais prendre, je déroule 1 mètre, 2 mètres, je coupe, je commence, on fait le début d'enroulage, donc je mets mon doigt, je bloque contre la tête de l'étau, je tends, je commence à enrouler, donc là je le fais vite, le premier aller, je fais vite le retour. Voilà, donc maintenant c'est bloqué. Je fais 2 nœuds. 1, je tire. 2, je tire. Je coupe l'excédent de fil. Je repasse un peu de vernis. Voilà. Et maintenant je peux fixer le corps de la plume. Donc je répète, je le mets parallèle à la tige forgée et j'entame un nouveau aller-retour. Donc normalement elle va pivoter la plume. Vous voyez, voilà, elle tourne. Donc une fois que j'ai fait un tour, ça suffit et je peux lâcher, vu que la plume sera tenue. Hop là. Donc ça c'est surtout le moment à ne pas se rater. Voilà, donc je fais un aller. Je fais un retour. Donc je vous rappelle, j'utilise cette plume en guise de laine, hein, mais si vous avez de la laine, vous faites pareil avec de la laine. Pour construire le corps. Voilà. Donc je fais le nœud. Donc là cette fois-ci le nœud, il va falloir passer la plume dedans. Donc c'est un peu plus compliqué mais bon. C'est faisable on va dire. Hop là. Et pareil on fait le nœud. Voilà, donc là j'en fais qu'un. Je coupe. Hop là. Et là, je fais pareil avec cette plume. Je l'enroule. Comme ceci. Et là, normalement, les plumes vont se dresser en l'air. Voilà. Donc, je fais ça sur tout le long. Voilà. Et là, arrivé à la fin, je fais une boucle avec la plume, exactement comme celle qu'on fait avec le fil. J'avais perdu le mot. J'ai raté, donc je recommençais la boucle. Voilà ce qui se passe. Donc c'est moins difficile parce que en faisant le nœud ça rabat les hackles qui sont relevés. Donc le but c'est de les laisser droits. Donc voilà, j'ai réussi. Et ensuite on serre le nœud de la plume comme ceci. Voilà. Donc c'est juste un nœud, c'est pas un nœud de finition, hein. C'est juste un nœud pour tenir un petit moment, comme ceci. On va pas pouvoir pêcher comme ça, hein. Et après, il faut finir la fixation de cette plume avec toujours du fil, donc le fil de montage JMC. Donc pareil, je prends avec la pointe de l'étau, je mets mon doigt, je tends. Et là, on va utiliser notre technique, on va pas enrouler bourrinement. On va enrouler en faisant des mouvements comme ceci. Donc là, j'exagère le mouvement. De façon à ce que le fil passe bien entre la queue qui sont relevées. Et de façon à ne pas les plier. Vous voyez? Donc je... Hop. Comme ça, ça ne les plie pas. Voilà, et après on revient à la tête. Voilà, et là on refait un nœud. Un deuxième. On coupe l'excédent. Enfin, coco, non, je vais pas couper. Je vais rajouter du vernis quand même. Je coupe l'excédent de fil. Et je mets du vernis. Dans les hackles. Donc pas trop parce que sinon ils se collent entre eux. Surtout à la fin, je mets deux petites gouttes. Voilà. Ça suffit. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est des yeux, on va utiliser... des flottes parachutes de chez Mouche de Charrette. Donc j'avais dit que j'allais pas les utiliser, mais bon, finalement on va utiliser ça parce que voilà. Donc j'avais déjà un morceau prédécoupé, donc faut prendre pas plus de 5 mm. Voilà, on les positionne au niveau de la tête et là on va couper avec le fil. On va passer avec le fil pile au milieu. Donc, hop là. Donc ça va être un streamer flottant, hein, avec ce flotte parachute. Et en plus, avec les hackles qui se remontent, ça fait flotter. Donc, c'est un streamer flottant. Voilà. Voilà, donc on passe 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on essaie de le redresser un peu. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On fait un nœud entre le flotte parachute et l'œillet. Donc j'en fais 2, j'en mets 203, petit troisième, ça fait pas de mal. Voilà. Ensuite on va utiliser de la peau de lapin et on va faire la tête qui va se situer entre le flotte parachute et l'œillet. Donc sur le fil, on va positionner du vernis sur environ 2-3 cm. Voilà. On va arracher des poils de lapin. Les petites pincées comme ceci. Et on va les mettre sur le vernis, ils vont coller. Et on va prendre les poils et tourner comme ça. Comme ça, on a un fil garni de poils de lapin. Et on va tourner. Et là, ça va faire une grosse épaisseur. après le flot de parachute. Comme vous pouvez voir. Voilà. Et là, un nœud. Puis un deuxième. Bon, là, je ne mets pas de vernis parce que sinon ça va abîmer les poils de lapin. Comme ceci. Voilà, donc vous pouvez remarquer qu'il y a un trou entre les haqueules qui sont relevées et le flot de parachute. Donc pour combler ce trou, je vous propose de mettre de la plume d'autruche coloris vert. Donc on va faire le même système que pour le poil de lapin. Ou non, on va faire un système comme les haqueules. Donc je vais prendre encore du fil beige, comme ceci. Donc on refait le même système, on prend, on tend, on tourne, on fait un aller, un retour. C'est bloqué, on peut lâcher, on fait un nœud, un deuxième. On coupe l'excédent de fil. Voilà, on va prendre des haqueules de marabout. Comme ceci, donc on vient toujours en prendre un peu trop. Et après on coupera, donc je prends, donc je les aligne un peu. Voilà. Je prends la pointe, donc le bulbe. Je mets mes côtés tête, je le positionne parallèle et je tourne. Donc ça va pivoter, pareil. Et là, voilà, donc vous voyez, ça fait comme une espèce de cape. Voilà. Donc, bon, elle est un peu longue, hein, mais on va la rétrécir. Voilà, donc là, ça fait le corps du streamer. Donc, on va couper, à peu près ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour combler le trou, on va utiliser de la peau de taupe. Donc, elle est ici. Et là, on va utiliser le même système que la peau de lapin. Donc, pareil, on met du vernis sur 2 ou 3 cm du fil. Donc là, j'en ai mis sur plutôt 5. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, donc là, c'est la peau qui a déjà été utilisée. Donc, au fur et à mesure, je descends. Hein. Donc, on prend à peu près ceci. On se met là. On enroule. Voilà. Je prends une autre pincée. J'enroule. Une troisième. De toute façon, que ce soit bien épais pour bien former... donc là, voilà. Donc j'enroule. Et là, ça fait une jolie épaisseur. Hein. Voilà. Donc je fais. Donc c'est plutôt gris, hein, donc vraiment la vraie couleur est hein, gris top. Hein, d'où son nom. Je fais 2 nœuds. Donc vous voyez qu'un streamer ça prend vite de l'ampleur hein, en quelques mouvements, en quelques minutes. Voilà, donc la couleur du lapin il y a plutôt des reflets bruns et la couleur à la taupe c'est bien gris. Ensuite il y a de l'effet de la couleur roux pour le poil de coq, la plume de coq pardon, et vert pour la plume d'autruche qui a été colorée. Voilà, donc je coupe. Voilà. Et donc pour ajouter la couleur, on va mettre du orange. Donc ça va être plutôt pour pêcher la truite et les petits saumons de fontaine. Parce que les saumons de fontaine sont encore plus carnassiers que la truite. Et donc avec ces couleurs vives, ça va leur faire un signal attaque. Donc voilà. Donc pareil, pour les plumes orange, on va faire le même système qu'avec les plumes d'autruche. Donc on va positionner comme ça, on va enrouler, on va lâcher, et ça va faire comme ceci. Bon, après on peut donner de la direction. Donc pareil, du fil, donc la base, on prend, on tend, on tourne. On fait le retour. Une fois que c'est tenu, on lâche. On fait le nœud. Un deuxième. Voilà. Donc les poils d'autruche, je les mets vers l'avant pour avoir plus de facilité à mettre les plumes orange. Donc je prends comme ceci, donc là c'est le bout de la plume et là c'est le bulbe. Donc je les aligne, je mets le bulbe côté tête et je tourne. Donc ça va pivoter. Voilà ce que ça donne. Donc après ces fils là, on va pouvoir les couper. Donc je le serre bien. Donc si je trouve qu'ils partent trop vers le bas, je vais les lever et je vais passer dessous. Ça va les remonter, vous voyez. Donc là je les trouve à peu près bien. Donc avec l'eau, hein, ils seront plutôt serrés. Et ceux-là, ils seront moins amples, ils seront plutôt collés comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre un peu plus d'épaisseur, hein, parce qu'avec l'eau, ça rétrécit, ça se colle. Donc, on arrive à la fin du streamer. Un nœud, un autre. Je coupe l'excédent de fil. Donc là, vous voyez, il y a les petites plumes de coq qui sont passées dessous. Donc on les coupe. Voilà, comme ceci. Du vernis pour la sécurité. Une goutte, comme ça, je la laisse couler. Donc c'est pas grave si elle coule sur le côté après. Hein, parce que ça... Elle est pompée par toutes les plumes, tout ça. Donc voilà. Je coupe les fils orange qui sont ici. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on arrive à la finalisation. Donc pour rajouter des petites touches agressives, on va mettre du violet comme ça. Donc je vais prendre 2 ou 3 fils. J'en ai pris 4, 5 même, 5. Une bonne épaisseur. Et je vais en mettre ici, je pense. Ici même je vais entamer sur les hackles comme ceci. Ben voilà. Par contre c'est une matière élastique, donc on peut faire les nœuds sans mettre du vernis là. C'est fait esprit. Spécial streamer. Je peux faire un nœud. Comme ceci. Un autre. Voilà, on coupe l'excédent, ici, ici, et là nous avons un magnifique popper flottant. Donc j'espère que vous avez retenu les étapes importantes. Donc on va faire le récapitulatif de ce que j'ai fait.